L'intervention de Pierre Luigi s'intitule « Basigraphie et espéranto visuel, raison métalinguistique et tentation universaliste ». Alors, merci Anne pour l'invitation. Alors, j'ai terminé le texte hier pour faire un texte nouveau. J'utilisais tout le temps et en avion, j'ai essayé de le mettre aussi en diaporama, donc il y aura des erreurs, mais peut-être c'est une manière pour faciliter la compréhension d'un texte qui est plutôt dense. Alors, le point de départ est la pasigraphie, une sorte de sténographie universelle qui peut bien représenter une sorte de mythe du visuel. Alors, la sténographie universelle, c'est un peu la représentation de la puissance du visuel, la puissance présumée, d'une sorte de performativité implicite du visuel, de sa capacité de canaliser les sens immédiatement, de manière intersubjective, parce qu'à travers les visuels, il y a une mise en distance, il n'y a pas une sorte de introjection des valeurs qui commence à construire une sorte de pli intime. Et donc, il y a cette sensation de pouvoir canaliser les sens ensemble. À partir de ça, on a construit un mythe du visuel qui est lié à l'accessibilité immédiate de l'image à travers la même sensorialité qu'on utilise pour voir les choses. On n'a pas un changement de la modalité sensorielle. Il y a l'idée de pouvoir contrôler. Donc, il y a une sorte de monitorage. Il y a l'universalité présumée de l'iconisme primaire, on vient de discuter cette question. Et donc, vous voyez, c'est vraiment l'idée, toute une série des éléments qui arrivent à souligner le fait que peut-être on peut arriver à une sorte d'espéranto visuel, quelque chose qui peut fonctionner, mais avec une solidarité déjà un peu dangereuse, je dirais, entre la visée sociale, normative, et la visée individuelle. Alors, il y a une idéologie cachée derrière tout ça, il y a une idéologie cachée. Il y a une sorte d'exemplification d'ordre. Dans les visuels, tout est déjà systématisé. Il y a un plan de l'expression évident, formaté. Et tout ça semble déjà donner des préjugés sur le plan du contenu. Si tout est organisé et si tout est là, si tout est canalisé de manière intersubjective, peut-être il y a déjà une articulation sur le plan du contenu. Donc, le visuel fonctionne comme organisation ostensive, comme la première forme de signe, l'idée de l'ostension, montrer un objet pour dire « voilà, qu'est-ce que c'est un portable ?» Bon, je le montre, l'ostension, voilà les portables. Et donc, à partir de ça, il y a l'idée qu'il n'y a plus de supplément interprétatif, on peut fonder la pratique à partir de cette détermination visible et unilatérale d'un ordre. L'autre chose encore que je veux souligner est que il y a une sorte d'iconisme primaire parce que on n'a pas les temps pour juger. Les visuels s'imposent. S'impose d'emblée, il y a une sorte de constitution compulsive de la forme. C'est l'objet qui se propose, ou les paysages d'objets qui s'imposent. Et donc nous sommes là comme des sujets qui doivent reconnaître. D'où le fait, cette idée de cette relation entre pouvoir et visuel est quelque chose que je veux quand même thématiser. Alors, la pasigraphie.
La pasigraphie a été un espoir, une sorte de mythe du visuel. La pasigraphie cherche des régularités, hein, des régularités internes aux différents langages graphiques, de sorte qu'elle puisse généraliser les représentations de la connaissance, hein, au-delà des champs d'utilisation originaires du graphisme. C'est l'idée de construire une sorte de catalogue global de toute la graphique produite au monde, hein, et finalement essayer d'extraire des continuités, des isotopies, des choses qui semblent qu'on peut constater un peu partout. Donc un moyen de se comprendre par des traces qui chacun entend et traduit pour lui-même dans sa propre langue. Ça, c'est la phrase qui peut expliciter l'enjeu de la pasigraphie. C'était Lejeune, Michel Lejeune était le président de la Société des linguistiques dans les années 60, à partir de la moitié des années 60, et son frère était Jean Eiffel, qui a été le protagoniste principal de l'expérience de la pasigraphie. Lejeune, le frère linguiste, fait une sorte d'introduction au travail d'Eiffel, et il souligne que la motivation forte de la pasigraphie serait de finalement permettre à une personne d'une culture même différente d'accéder au contenu comme s'il y avait un visuel capable de suggérer immédiatement une sémantique, mais chaque fois la sémantique c'est la sémantique de sa langue, hein. Donc c'est l'idée de finalement catalyser des ressources sémantiques déjà existantes dans la langue de chacun. Donc vous voyez, cette idée de faire une sémiologie comparée, c'est une sémiologie comparée pour construire une sorte de système code. Ce n'est pas un système doté de deux plans du langage, on a seulement le système de l'expression. Et les systèmes du contenu, comme dans les cas du langage morse, est ajouté par les compétences sémantiques de la langue d'arrivée, c'est-à-dire de la langue d'appartenance, de la langue connue. Mais il y a quand même une spécificité, la spécificité de la pasigraphie, et qu'elle aurait recours à une sorte de graphisme doxique universaliste, ensuite hiérarchisé sur plusieurs plans récursifs de codage. Donc c'est l'idée de construire une sorte de plan de l'expression de base répandu dans les mondes, qu'on peut constater à travers des isotopies diffuses, et ensuite on accepte une grammaticalisation secondaire à travers des sourcignes, hein, c'est ça le terme utilisé par Eiffel. Et donc il y a une grammaticalisation, même des concepts comme diagnostic en médecine. Alors on dit bon, c'est plutôt delta, c'est plutôt un triangle, c'est les diagnostics à réussir, il y a deux points, s'il n'y a pas les deux points, il y a toute une série de sourcignes pour expliciter. Alors moi j'ai essayé d'étudier tout ça depuis longtemps. Vous voyez, ça c'est le corpus, c'est énorme, hein, les corpus autographes de Eiffel, et on peut reconstruire toute la production. C'est une production qui avance de manière progressive, hein, avec calme, avec une patience énorme. C'est l'idée vraiment de trouver toutes les formes de graphisme un peu partout, et en même temps une base qui est les dictionnaires du vocabulaire fondamental de Martoret, hein, publié en 63, pour dire ben voilà, je cherche au moins, je commence à partir de ça pour trouver des équivalents, hein, pour trouver des équivalents graphiques à des notions. Attention, à des notions. Donc voilà, vous voyez, les cahiers sont comme ça, sont structurés pour finalement voir termes, même des termes grammaticaux, trouver des équivalences graphiques. L'idée d'utiliser, d'extraire de symboles graphiques à partir de plusieurs publications, de plusieurs domaines scientifiques,
Et on arrive à une systématisation en disant, finalement, je dois récupérer trois choses importantes. Les graphismes, qui sont des sélections de conventions déjà existantes, des tracés, c'est-à-dire déduire de formes graphiques populaires, comment dessiner les choses, hein, comment dessiner les choses, quels sont les types de langages praxiologiques hein, de dessiner les choses, et finalement des schémas, hein, donc d'extraction diagrammatique cette fois, hein, que à travers des formes de stylisation, de simplification progressive des formes. À partir de ces trois pistes de recherche, il arrive à construire une sorte de langue graphique avec toute une série de paradoxes, bien évidemment. Voyez par exemple la traduction de la phrase, là, je pense donc je suis, ça donne ça. Hein. Ou encore, bon, vous voyez, je vous montre, il y a toute une série d'étapes progressives pour parvenir à vraiment à la transposition de phrases, de proverbes dans ces cas, dans les langages pasigraphiques, dans cette sténographie universelle. Alors, la chose intéressante est que le plan de l'expression de la pasigraphie cherche à aller au-delà de la conventionnalité pour faire une sorte de travail étymologique. Il utilise ces mots. C'est étonnant. Une étymologie, parce qu'on cherche des racines. Alors, c'est une sorte d'archéologie graphique dans les mathématiques, dans les géométries, dans la médecine, dans la météorologie, dans la météorologie, dans la musique. Donc, chaque volume que vous avez vu est un volume consacré à des domaines particulier. Dans la pasigraphie, le plan du contenu est censé être commun aux langues. Alors, on cherche en particulier, sur le plan grammatical, à utiliser la sémantique logique. Et donc, l'idée d'avoir une sorte d'armature, d'ossature du sens déjà partagée. Hein, les années 60 étaient encore très liées à l'épistémologie logique. Et donc, il y avait cette idée de dire, bon, si on doit grammaticaliser, on peut s'appuyer là. Donc, les sourcignes sont construits à partir de la sémantique logique. Et, bien évidemment, il y a aussi des choses qui sont simplistes. On trouve un ethnocentrisme naïf, parce que toutes les formes de syntaxiques montrées à travers les proverbes, tous les exemples, produit relève du français ou de l'anglais, et donc il n'a pas pensé au fait qu'il y a des langues qui ont des constructions syntaxiques totalement différentes. Les aspects intéressants, hein, tout ça a été présenté de manière importante, hein, de manière officielle, dans la devant l'UNESCO, c'était le deuxième congrès de typographie à l'UNESCO, c'était là une sorte de présentation en plénière, présentée par les journaux. J'ai essayé de reconstruire un petit peu tous les journaux de l'époque, il y avait, finalement on arrive à un langage visuel, universaliste. Alors, la tradition de la pasigraphie est attestée. C'est une tradition qu'on trouve chez Leibniz, même s'il n'utilise pas le terme. En revanche, Destutt de Tracy et d'autres philosophes ont utilisé le terme pasigraphie, normalement pour critiquer. Et dans la présentation de Lejeune, c'est-à-dire le frère linguiste, on évite de souligner cet aspect. Alors, l'élément déclencheur, c'est intéressant dans la reconstruction historiographique de la pasigraphie, remarquer que la pasigraphie a été développée à partir du contact avec les Chinois. C'est à partir de ça, c'est-à-dire on a même trouvé, on a encore apparemment des traces, des idéogrammes, des dessins produits pour s'entendre avec des Chinois. Il n'y avait pas des moyens, linguistico-verbaux, et donc on utilisait de dessins. Tout ça a suggéré alors l'idée que peut-être il y avait la possibilité de dépasser les frontières culturelles à travers la graphique. Une autre chose intéressante est le fait que la pasigraphie devrait être enseignée comme un jeu.
Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas comme un code contraignant, mais comme un jeu. On doit jouer avec la passigraphie, c'est-à-dire on doit exercer une créativité. Ça, c'est une chose qui est plutôt remarquable, parce qu'on a l'idée de montrer une efficacité de base et de proposer des notions, mais ensuite on laisse la créativité. Ce n'est pas un alphabet, c'est un système de notions praxiques, et même les éléments grammaticaux sont conçus comme la pratique langagère. C'est-à-dire on ne cherche pas des synonymies, des choses comme ça, on cherche à trouver des correspondances par rapport à une pratique située. Et encore, une autre chose intéressante, peut-être ça c'est une réflexion à parté, mais c'est l'idée que finalement, on connaît bien le problème de la traduction, c'est le problème du salto mortale, on utilise l'expression italienne « saut mortel », mais qui n'existe pas en français, c'est la déverbalisation. C'est-à-dire, quand je dois passer du français à l'allemand, il y a un moment où je dois laisser les français pour parvenir à l'allemand, mais dans ces passages, qu'est-ce qu'il y a? Comment je pense que je peux traduire, transposer les sens quand finalement j'ai deux points d'arrêt, un point de départ et un point d'arrivée, mais je ne peux pas décrire exactement le pont, la passerelle. Ça, c'est une suggestion intéressante aussi pour les langages visuels. Est-ce qu'on doit trouver toujours des passerelles ou est-ce que l'énonciation est toujours face à des vides qu'elle doit combler? Et que donc, on doit toujours associer des éléments, des plans de signification. Il n'y a jamais un plan de signification. Il y a des plans de signification à accorder. Ça, c'est une suggestion pour anticiper des conclusions, parce que j'imagine que je n'aurai pas le temps pour arriver jusqu'au bout. Et l'autre chose intéressante aussi, c'est l'aspect rationnel. On peut aller à Habermas. Bon, on a une sorte de Babel graphique. Est-ce qu'on peut systématiser un petit peu? Hein? Est-ce qu'on peut construire une sorte de globish graphique? Les aspects critiques, d'un côté, on peut dire qu'il y a encore une actualité de la passigraphie, mais bien évidemment, on voit des simplifications et l'opacité de ces langages. Vous avez vu la transposition de la phrase de Pascal, on a du mal à la lire. Cette idée qu'on aurait une sorte d'accès immédiat à la compréhension, ce n'est pas vrai. Il faut connaître quand même un petit peu les codes de la passigraphie. En particulier quand la passigraphie arrive à finalement s'étendre dans tous les domaines. Si on fait quelque chose qui a une restriction, que tu as montré au départ, dans un domaine spécifique, tu as parlé des bibliothèques, hein, alors peut-être on y arrive. Mais si on veut vraiment fédérer toutes les connaissances, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, une autre chose que je peux souligner est que la passigraphie n'arrive pas, et pour moi ça c'est important, c'est un autre élément pour les conclusions, n'arrive pas à trancher entre les langages diagrammatiques et les langages denses du dessin. Elle doit opérer avec les deux. Elle ne peut pas trancher, elle ne peut pas se déplacer seulement sur un langage graphique, diagrammatique. Défaut, il n'y a pas de conception du plan d'inscription. Hein, c'est quelque chose que Peirce, en revanche, a beaucoup souligné. Quand on fait de la diagrammatologie, bon, il faut concevoir aussi les supports et la pertinence donc, de la feuille hein, d'inscription du signe. De l'autre mythe visuel, là je vais vraiment rapide, je dois être très, très rapide, c'est le mythe, en revanche, de la transparence iconique. Hein? C'est l'idée de construire quelque chose qui est totalement coïncident avec les réels. Là, un dessin hyperréaliste au crayon, hein, nommé « Ma fille Sarah hein? ». Et on montre, hein, aussi la technique des écussions, sauf que c'est un fake. Non, je les montre parce que justement, parfois, quand on a cette impression d'une illusion référentielle totale, on s'en fiche de la production. L'effet est tellement puissant que finalement,
un supplément d'interprétation, on peut dire, mais comment, quel type de production a été faite, a été élaborée pour arriver à ces résultats, bon, tout ça passe à un arrière-plan. Alors, la vision opposée à la pasigraphie, qui est une sorte de symbolisation universelle, est l'iconisation universelle. Donc, l'élimination de toute forme de codage, c'est une sorte de monstration pure, de quelque chose qui peut éviter même de passer par la reconnaissance de formes d'organisation textuelle. C'est l'image en tant que telle, l'objet dénoté par l'image, qui s'impose. On parle à ces propos des stimuli de substitution. C'est quelque chose qui s'interpose entre notre regard et le monde, mais qui finalement arrive à construire une sorte de suppléance, hein, et avec la création du même effet. Là, on voit bien qu'on est dans une sorte de sémiotique ostensive. On montre les choses et on a déjà la signification. Il n'y a pas besoin d'une négociation préalable, pas des codes, des choses comme ça. Sauf que cette similarité, cette substitution immédiate semble effacer tout questionnement sur la forme de production, sur la pratique, sur la raison d'être, hein, de l'objet visuel. Alors c'est curieux cette sainte phrase, on veut rivaliser avec la nature, en même temps cacher la main. Hein? C'est un programme anti-humaniste. Oui. On veut en même temps dire voilà nos capacités, mais ensuite on veut éviter de préciser exactement la forme de composition, à tel point qu'on peut proposer des images fausses. La réflexion épilinguistique, c'est-à-dire diffusée dans l'espace social, pratiquée par les acteurs sociaux, est réduite au minimum, parce que finalement la chose intéressante est le fait de voir des choses, de voir apparaître des choses, et peu importe la distinction ontologique entre réalité et fiction, parce qu'on dit finalement c'est banal, c'est trivial, on a appris tout ça déjà dans l'enfance, donc pas la peine de se poser cette question. D'où tout le problème du fake actuel. Toute la composante performative est cachée, réduite, et je vais vite, je dois aller vraiment très vite, l'idée est que dans l'invisible, les réels arrivent à se confesser. S'est présenté, même avec ses péchés illusionnistes, bon, parfois il arrive à construire des illusions, mais finalement on peut les attester, c'est là, c'est une réalité inamendable, hein, je la vois, donc c'est comme ça. Donc il y a une sorte d'égalisation, de superposition entre les visuels et les visibles, le visuel comme dimension de la perception, les visibles comme production d'artefacts, de production sémiotique visuelle. Alors, le problème est très intéressant parce que c'est une manière pour sortir du circuit du symbolique, pour dire pas la peine d'une formation sémiotique, etc., parce qu'on voit immédiatement. Il y a des qualia qui émergent, il y a des configurations qui émergent, qui s'imposent, et ce n'est pas le sujet qui doit interpréter. Donc le design devient une sorte de programmation des reflets immédiats du corps, un dispositif, hein, qui utilise les corps finalement pour construire des effets qu'on ne peut pas éviter de produire. Alors, vous voyez un peu la situation actuelle, et un peu que le visuel, soit il arrive, c'est la version extrême de la pasigraphie, c'est l'infographique aussi, c'est le fait de transformer le monde en chiffres, et de l'autre côté, c'est la réalité virtuelle. Vous voyez, nous sommes un peu pris entre deux extrêmes. Hein, traduction tout en chiffres, donc une sorte de pasigraphie, de codage
extrême, et de l'autre côté, en revanche, le fait que dans la réalité virtuelle, il y a une transparence totale. Le seul langage qui est finalement exploité, les langages de programmation qu'on ne peut pas voir. Et donc, toute la fonction du langage semble disparaître. La seule fonction qui reste, finalement, c'est la fonction de commande. C'est-à-dire une performativité, je dis une chose, et il y a l'activation d'une technologie. C'est tout. Hein? Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin d'interpréter. Hein. Il y a une performativité sans qui n'a pas d'ambiguïté. Alors, à tout ça, on pourrait s'opposer, bien évidemment. Je n'ai pas le temps de présenter de théories différentes de la perception. On peut bien imaginer que la perception ne fonctionne pas sur le plan écologique. Hein, comme une sorte de constitution passive. On a parlé de synthèse passive chez Husserl, mais il faut se rappeler qu'il y a aussi des synthèses actives. Et qu'il y a, s'il y a chez Husserl, dans la tradition phénoménologique, il y a l'émergence d'une forme idéétique, il y a aussi le mouvement intentionnel du sujet. Et on ne peut pas séparer, dans la tradition phénoménologique, on peut analyser, mais pas séparer sur le plan écologique, les moments d'émergence et d'éthique du moment de l'intentionnalisation de l'objet. Bref, aujourd'hui, on parle d'un couplage structural et des modèles écologiques. Évite quoi ? Évite une conception ostensive du langage visuel. On le sait bien pour les langages verbaux. Si j'ai dit Gavagai, enfin, l'exemple de Quine, on ne sait pas si j'ai dit, je ne sais pas... un animal, l'animalité, le caractère sauvage. Hein? Alors, la même chose a été dite par Eco à un certain moment dans les traités du sémiotique général. Il dit, bon, je peux montrer un paquet de cigarettes. Est-ce que je veux dire à travers l'ostension de le paquet de cigarettes, voilà un paquet de cigarettes, voilà une cigarette, voilà une forme rectangulaire. On ne sait pas exactement la pertinence, donc l'intentionnalisation de l'ostension. Alors, je peux vous montrer seulement, je dois vraiment faire un résumé. Voyez bien qu'il y a plusieurs plans de pertinence du sens, de constitution du sens. Il y a un sens qui peut se produire parce qu'il y a des institutions du sens, et en même temps, les institutions du sens sont du sens refulé. C'est-à-dire qu'on peut énoncer un verdict, le verdict peut être performatif parce qu'on peut se fonder sur, on peut ancrer cette énonciation sur un cadre institutionnel, la justice, la jurisprudence, etc. Mais en même temps, cette jurisprudence n'est pas interrogée. Donc voyez, il y a un sens institué, promu, le verdict, mais il y a un sens instituant qui est seulement potentialisé et pas interrogé. Et ensuite, on sait bien qu'il y a un sens institué, mais il y a aussi un sens latent, qui est le sens de la perception en acte. Dans les actes du langage, on cherche à construire un plan de l'expression. Mais le plan de l'expression n'est pas la perception, n'est pas les percepts. Vous pouvez entendre ma voix, et vous pouvez extraire plusieurs informations. Vous pouvez constituer le plan de l'expression de la langue française, mais il y a pas mal d'autres éléments que vous pouvez extraire pour construire la signification tonale, l'accent et beaucoup d'autres choses. Donc la perception fonctionne comme une réserve potentielle de signification insubordonnée par rapport à les constitutions langagères. Donc vous voyez que l'image, hein, je dois résumer, l'image a cette capacité d'être en même temps intériorisée, englobée dans les plans des significations instituées, perceptives, sans adhérer à un plan. Elle est toujours capable de nous faire basculer, de nous inviter à basculer d'un plan de signification à l'autre.
La conclusion que je dois anticiper est que finalement, le seul universalisme que je peux proposer est finalement l'universalisme dans sorte de double langage. Nous sommes, les visuels nous apprend à concevoir le fait que nous sommes toujours pris par au moins deux langages en même temps. Par exemple, le langage de la densité et un langage de la diagrammaticité. C'est toujours comme ça. Et finalement, c'est le paramètre même de l'écologie. Parce que ces pensées dans un entour, dans un environnement, veut dire en même temps viser de formes, extraire de formes, élire de formes et reconnaître la densité grave, consistante, parfois dangereuse aussi, de l'entour. Et on doit faire les deux choses. On est en même temps proactive et vulnérable, hein, plongé dans une densité et capable d'élire de formes. Alors, la seule manière, donc la suggestion, je viens aussi au design. Les designs, à mon avis, ne doivent pas décider pour aller vers la diagrammaticité ou vers la densité de la, je ne sais pas, d'un tableau, hein, d'une image qui n'a pas des traits codés. Hein. Donc, la ratio difficilior, hein, pour utiliser le terme difficilis d'Umberto Eco. Les designs doivent accepter cette double contrainte. Cette double contrainte de l'entreculture, c'est le fait que, comme disait déjà Lotman, hein, Lotman a toujours dit qu'il y a deux langues. Nous sommes toujours dans la traduction, nous sommes toujours en train de traduire. C'est l'impossibilité de fonder, de construire une architecture du sens qui arrive à avoir seulement un langage des constitutions. Et tout ça a des retombées aussi sur le plan du discours. Il n'y a jamais un domaine discursif qui arrive à s'auto-fonder. Et donc, il a besoin, là, on voit la différenciation du social, le fait qu'il y a plusieurs domaines sociaux, et que chaque domaine doit produire les valences élaborées par, ou traitées, ou administrées, ou gérées par les autres domaines. Donc moi, je cherche toujours des formes reproductibles à plusieurs niveaux. Cette idée d'une double implication, d'un double langage, d'une double domaine discursif, du fait qu'il y a toujours traduction, qu'être sémioticien veut dire travailler sur cette sémiotisation, en acceptant qu'il y a un vide. Parce que dans les passages entre un domaine et l'autre, entre un langage et l'autre, entre la densité et la diagrammaticité, il y a un saut. Il y a un passage critique à faire. Et donc, je vais présenter toute une série que je peux de schématisation. Vous voyez, il y a l'idée de la pasigraphie, c'est l'hypercodification, tout est codé dans les visuels. Il y a l'idée de l'hypocodification, qui est l'idée de l'image qu'il faut saturer parce que tous les éléments sont importants, donc il faut aller jusqu'au bout. Hein. Tout est important dans l'image. Le fait qu'il y a le modèle de la monstration, donc une sorte de continuité entre l'image comme texte et en revanche l'espace, l'environnement perceptif. Tout ça a constitué des paradigmes philosophiques, parfois sont des paradigmes aussi idéologiques. La proposition est qu'il faut sortir un peu de tout ça et accepter donc ces doubles régimes. Et penser les visuels donc, comme un système de capture. Vous connaissez le Shakespeare, bien évidemment, et l'Hamlet, le fait que la mise en scène est pour capturer la conscience du roi. La mise en scène pour capturer la conscience du roi. Pour moi, c'est une exemplification forte de la sémiotique et du,
du potentiel du visuel. C'est pas l'idée de montrer ou de analyser de manière diagrammatique. Il y a les deux choses en même temps. Et les problèmes est construire un dispositif de capture. Et la capture, c'est quoi? C'est la capture pour interpréter des nouveaux. Je veux dire, c'est l'idée qu'il faut sauvegarder un paradigme de l'interprétation, un paradigme herméneutique, et qu'on ne peut pas éliminer ces passages, et que le design, hein, si on veut faire du design responsable, doit être un design qui cherche finalement à reconstruire les conditions pour une interprétation. Et dans cette interprétation, bien évidemment, il y a des marges de jeu. Dans l'interprétation, il y a aussi l'interprétation non seulement du dit, mais des ressources possibles, des transformations possibles, des traductions possibles. Bien, c'est ça ma suggestion, bien évidemment. Donc, design visuel, oui, c'est pas pour sortir de l'antinomie hypercodification, hypocodification, densité diagrammaticité. C'est jouer les deux jeux en même temps pour sauvegarder un paradigme herméneutique. Voilà, j'ai essayé de faire un résumé. Merci beaucoup Pierre-Louis pour cette magnifique contribution qui apporte énormément d'éléments, il me semble. Tu nous dis bien que la perception, c'est une réserve potentielle. C'est une réserve potentielle. Il n'y a pas d'adhésion immédiate à un certain plan de signification. Mais tu dis que donc, c'est nous qui donnons le sens. Hein, c'est nous qui donnons le sens. Et tu préconises de conserver toujours deux plans de signification, c'est-à-dire la chose qu'on va profiler, l'objet auquel on va donner forme, mais en même temps, en conservant la densité dont il provient, finalement. Mm-hmm. Donc, c'est très, oui, parce qu'on peut attester un objet, mais voir à travers l'objet. Mm-hmm. Il y a toujours cette ambiguïté. Je peux voir les nuages, mais quelque chose à l'intérieur des nuages. Mm-hmm. Je peux profiter de la densité texturale des nuages pour voir autre chose. Mm-hmm. Et c'est ça une pensée... comment dire, un figural, capable de transposer, de ne pas accepter les limites dans le langage. Mais qui restitue les conditions de l'interprétation, c'est ça qui sont, oui, son enjeu. Et donc on montre aussi les caractères de la culture. Moi j'ai toujours du mal à superposer le terme social et le terme culture. Je n'accepte pas les termes socioculturels, je ne dis rien. Parce que si le social relève des liens, de forme de contrat, d'accord, etc. La culture a une forme d'émancipation. Autrement, pourquoi avoir un autre terme? La culture n'est pas un macro-texte, n'est pas un macro-code, c'est justement la culture, c'est mobiliser de la connaissance pour sortir des limites imposées au départ. Et c'est ça l'art de l'interprétation aussi. C'est l'idée que, par exemple, le juge doit adapter la loi à la situation concrète. Donc, il ne peut pas rester à la lettre du texte. Et donc, il doit lire la densité du cas, tous les indices, tous les facteurs, tous les éléments, pour transposer la loi dans une situation concrète. Alors, il y a une question de Maria Caterina. Tout à fait convaincu, et c'est comme la dialectique entre mémoire et oubli. Si on veut créer quelque chose, il faut oublier des relations déjà attestées pour créer de nouveaux liens, de nouvelles relations. Donc l'oubli est un moment de vide nécessaire pour la créativité.
question de Céline. Sur les modes d'inscription du visuel, je pensais notamment par exemple à la photographie ou au dessin, on pourrait opposer, ou parce que vous opposez finalement le danse et le diagrammatique. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à associer la photographie à ce qui est à une image très dense et le dessin plutôt à quelque chose au diagramme. Est-ce que finalement le mode d'inscription visuel engage nécessairement vers ces deux oppositions, ou est-ce que par exemple on pourrait aller sur de la photographie qui jouerait en fait de ces deux oppositions entre le diagramme et l'image dense, et pareil pour le dessin, ou est-ce que le mode d'inscription finalement invite nécessairement à ces deux opposés avec... Bah, il y a toujours une coalescence, à mon avis. Si on, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'image scientifique, de la photographie scientifique. On peut étudier les photographies des étoiles, mais pas seulement pour observer la forme figurative, mais pour extraire des diagrammes. Pour, par exemple, il y a à la fois la densité, mais aussi la diagrammaticité dans la photographie. Et l'interprétation de la photo est toujours entre les deux. Et quand Eric Rohmer a écrit sa thèse de doctorat sur Murnau, il a fait tout le texte sur le plastique, et sur l'extraction, sur la capacité de contrôler la composition de formes abstraites à travers les cinémas. Donc le cinéma, on pourrait dire, c'est un langage dense. Ben oui, mais il est capable aussi d'exemplifier des diagrammes. On n'arrive jamais à sortir de cette double... Alors bien évidemment, sur le plan, Goodman a essayé, sur le plan typologique, de dire, ah bon, il y a des fonctionnements différents. On peut faire fonctionner. Il faut reconnaître que Goodman est une théorie fonctionnelle. Ce n'est pas une théorie ontologique. Donc il peut admettre qu'il y a un fonctionnement diagrammatique, même pour la photographie. Chaque mode d'inscription, finalement, joue de ces deux opposés, entre le temps, c'est le diagramme, et après, c'est finalement au moment de l'interprétation. Oui, parce que est-ce que un paradigme écologique veut dire quoi ? Veut dire que est-ce qu'on peut éviter, par exemple, de dire ces diagrammes a été détecté dans cet espace dense ? C'est-à-dire, est-ce que la sémantique est une sémantique atomique d'un élément détecté ? Est-ce qu'il y a une syntaxe ? Est-ce qu'il y a même une syntaxe entre des plans de signification ? Englobant, dimension méso, micro, macro. Moi, j'estime qu'il n'y a jamais la possibilité de saturer la signification sur un plan. C'est pour ça qu'on a parlé le visuel monoplan. Hein, tu as mentionné dans ton introduction. Oui, monosémique. Monosémique. Polysémique. C'est pas une question de... Polysémie, c'est le fait qu'il y a une pluralité de plans. Parce qu'ensuite, le sémantisme peut avoir une consistance, peut avoir une sorte de prise, de coagulation locale, mais sur plusieurs plans. J'ai une dernière question. Est-ce que toute ton intervention ne tend pas à mettre l'attention sur une erreur fondamentale qu'il y a dans cette idée d'universalité et dans l'image en général, sur laquelle je bute moi personnellement depuis peu de temps, et que résume Belting dans son travail sur où il montre l'origine sacrée de l'image. Quand il dit que l'image rend visible ce qui est invisible, mais que nous considérons comme réel. Donc il y a une erreur lorsqu'on pense que l'image va donner accès à la nature, c'est ce que tu dis bien, alors qu'en fait elle ne donne accès qu'à des niveaux superposés, à des densités d'interprétation infinies, bien sûr. Oui, oui.
faut accorder des représentations. Il faut accorder des représentations. C'est un peu comme le jeu intertextuel, finalement. Il n'y a jamais une image qui n'est pas la réponse à d'autres images. Hein. On pourrait se poser sur le plan strictement intertextuel. Mais ensuite, il y a aussi une manière de concevoir les espaces de la culture. Donc il y a non seulement une intertextualité, mais il y a une pluralité de domaines. Il y a, pour utiliser les termes de Rastier, des différences entre l'espace identitaire, l'espace proximal, l'espace distal. Et donc une représentation qui est valable dans l'interaction peut, par exemple, être validée parce que c'est une représentation qui entre en résonance avec des représentations dans un espace sacré. Hein? Dans un espace éthique qu'on veut sauvegarder bien au-delà de l'interaction en cours. Donc cette idée qu'il y a toujours des accords entre des représentations est fondamentale pour construire les sens en tant que parcours. Et moi, j'ai peur, en revanche, de la réédition actuelle à travers, bien évidemment, certains cognitivismes. Je ne suis pas contre le cognitivisme, mais une manière réductionniste peut-être de voir les cognitivismes, de finalement réduire la sémantique au syntaxique et de dire en même temps, bon, écoutez, on arrive à stabiliser la forme des choses parce qu'on arrive à composer à travers des formes qui sont déjà là dans l'esprit, on arrive à stabiliser la forme d'un objet, et en même temps dire, ah oui, même les formes de l'esprit, même des formes syntaxiques, même des notions abstraites, peuvent trouver un ancrage dans les patterns qui sont neurophysiologiquement ancrés dans notre cerveau. Parce que si on va faire les deux choses en même temps, à mon avis, on est en train de reconstruire l'idéologie adéquatio rei ad intellectus, c'est-à-dire la réalité totalement homogène à l'esprit. Si l'esprit peut anticiper la stabilisation de forme de l'objet et en même temps il est capable de décliner, d'exemplifier les formes de la rationalité, on voit bien qu'il y a une sorte de matching entre les deux et il n'y a pas deux langages, il y a un seul langage et on est en train de proposer de nouveau la même chose, comme s'il y avait une sorte de passerelle universelle. Alors, la sémiotique devrait défendre le fait qu'il n'y a pas de passerelle universelle. Il n'y a pas des diagrammes qui arrivent dans un endroit et arrivent finalement à construire tout seul la forme de... On a besoin, en revanche, de construire des convergences, des accords, ça change tout. Et je pense que même sur le plan d'une sémiotique de culture, d'un dialogue entre les cultures, on a besoin d'un modèle général de ce type, à mon avis. Tout petit, d'abord. Finalement, je pensais à cette idée de convergence. Il y a l'idée de la contrainte, de la liberté pour créer, stabiliser quelque chose qui pourrait être un langage. J'étais très intéressé par la notion de jeu, à partir du moment où il dit que la bassigraphie s'enseigne par le jeu. Est-ce que dans le corpus, c'est très rapide comme question, mais est-ce que dans le corpus, on peut repérer, on va dire, ces jeux-là? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait des interventions pour faire évoluer ce langage? Et est-ce qu'au contraire, il y a des parties de ce corpus qui sont plutôt, enfin, comme des grammaires normatives, en fait, qui indiquent qu'il y a un fond commun, et puis il peut y avoir des libertés. Enfin, comment est gérée cette liberté contrainte au sein de ce langage? Alors, il n'y a pas d'exemplification de jeu dans les corpus. En revanche, il y a toujours des précisions sur le fait que la stabilisation normative trouvée, repérée, proposée, est finalement susceptible de changement, et que chacun peut finalement parvenir à d'autres formes isotopiques performantes. Il n'y a pas l'idée que ça, c'est la seule piste. Hein? Et c'est pour ça qu'il demande, sa demande n'est pas d'entériner la proposition. Au contraire, c'est l'idée, il faut diffuser cette pratique comme pratique. C'est-à-dire, il demande que d'autres personnes
commence à faire la même chose. Mais pas exactement avec l'idée d'adopter la notation prévue par Eiffel. C'est l'idée plutôt de répandre, de diffuser une modalité d'essayer de trouver une convergence graphique, plutôt que l'idée d'avoir une sorte de polarisation institutionnelle. C'est à partir de ça qu'on va fonder le seul langage basigraphique possible. Merci beaucoup, Pierluigi. On va s'arrêter là. Merci.